Salut tout le monde, c'est Italo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de notre série sur l'Itamonde. Donc j'espère que vous allez bien, mais écoutez moi ça va super. Normalement si je me suis pas fail, au début de la vidéo vous aurez le farm d'Enderman que j'ai fait. Voilà. Parce que j'ai farmé les Endermen et normalement je vous aurais fait un petit condensé de tout ça. Donc ici nous avons 4 Enderpearls supplémentaires. Et ici nous avons. Voilà, 7 Ender Eyes. Du coup là, donc il me manquait des Blaze Rod. Peut-être que vous l'auriez vu. Vous l'aurez vu, pardon. Donc il me manque quelques Blaze Rod. Du coup, moi il faut que je me refasse un petit stuff en fer là. Parce que. Voilà. Bon, pas 64. Ah, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va chercher les Blaze Rod. On va pas faire le dragon aujourd'hui, je pense. Je pense, hein, parce que faut aller former des flèches, peut-être, peut-être. Bref, faut. Eh bien. Voilà, merci. Faudra juste que je me fasse. Que je me farce. Pff, tout va bien. Que je me fasse un arc infinity. Un petit arc infinity. Attendez. Je vais me faire. J'ai un power 2 ici, j'ai un power 2 ici. Je peux me faire largement un power 3. Mais non. Je vais faire juste en power 2 avec ça. Le lapis. Ok, merci. Donc voilà. Le dernier épisode, on n'avait pas trop avancé. Là, par contre, je me suis dit, bon, je vais avancer tout seul au pire. Je peux me faire de ça, l'enchante, quand même. Truc de fou. What? Merci. Donc ça. Voilà, faut avoir assez de level maintenant pour faire des enchantes. Du coup, torche, 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 torche. Non, pas de torche, ok. Tout va bien, c'est la dèche de torche, les amis. Enfin, je pense. What? Attendez, j'avais un masse de torche. Bon. Ben on est obligé de s'en refaire encore une fois. Hein. Ah mon dieu, je pense que le truc qui va nous manquer le plus dans cette série, c'est les torches. Voilà, merci, enfin. Je me demande ça augmente. Yes, ça a augmenté. Je vais faire quelques petites récoltes là. Alors, tac, 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 tac. Très bien, je. J'ai même bruit. Protect, merci. Tac. Bon, on va attendre qu'il casse celui-là. On va se mettre les bottes. Eh, même mon stuff en diamant il a pris cher quand même. Hein. Entre tous les archers, les Endermen. Alors, oui, au dernier épisode, normalement vous avez dû voir au moment où j'avais 21 levels par là. Ils ont disparu parce que je suis mort à cause d'un Enderman quand j'ai fait une ellipse. La mort un peu conne, certes, mais voilà. C'est un Enderman mais aggro, sans faire exprès. Parce que je l'ai regardé. Enfin. Sans faire exprès, j'ai regardé. Du coup, il m'aggro. Voilà, ça sera un peu plus clair. Alors, je cherche des plumes. 1, 2, 3, 4. Et je cherche des sticks maintenant, enfin du bois. Voilà, nickel. Ok. Il y a le nether qui me fait un peu laguer. Donc, on va farmer un peu les blazes aujourd'hui. C'est sympa, et en même temps, voir si on peut pas choper une ou deux têtes du wither. Oui, on verra. Pour ça, je suis pas très chanceux. Alors, Nether. Tom, tom, tom. Tom, tom, tom. Merci. Oh, j'étais en feu là. J'ai tous vu. Ok. Wow. Le temps que le Nether se charge. Excusez-moi. Bon. Je lag un peu là. Je fais du 0 FPS. Ah, voilà. J'entends un ghast. J'entends un ghast. Uh-oh. Si j'entends un gaz, c'est que c'est très bon. Donc on va essayer de s'éloigner un peu du portail. Hop, voilà, c'est bon. Ah, c'est bon, il s'est chargé enfin. J'ai un peu lagué quand même, je vous avouerai. Alors. Si j'arrive à avoir sa larme, sérieusement, ça me ferait bien plaisir. Mais bon, ça m'étonne rien. Mais oui, mais après, il faudra que je revienne à la base, peut-être. Ah non, quoi que j'ai cassé la dernière fois du coup. Peut-être que. Ouais, je sais pas, on verra.
Donc, farmer un peu de blaze là, parce que. Ouais, je suis pas pris sur moi. Ouvrir le portail de l'Inde, et au prochain épisode, bon, on va faire le dragon, écoutez les gens. Ah oui, aussi avoir des levels. Avoir énormément de levels, plein de levels, que des levels. Quoique si je. Non, ouais. Faut juste que je me fasse un arc infinity, parce que les flèches ça va me saouler sinon. Parce qu'après, le fer. Qu'à l'arc, voilà quoi, vous voyez, ça me saoulera un peu. Avec une musique qui pique par derrière, ça va être sympa ça. Alors, ok, ouais, donc toi, va te faire. Carrément, là, je le dis. C'est. Je cherche pas, j'irai pas en bas pour lui. Hein. On récupère un peu de level en même temps. Voilà, on se plaise. Merci. Allô. Ah, parfait. Là-bas, il y a la masse. Alors. Je suis devenu nul à l'arc. Mon dieu. Hop. Hop. Et de deux. Eh bien. Merci. Là. Oh. Yay. Hop. Deux blaze rods supplémentaires. En plus, on augmente facilement le level. Là, je récupère juste ma flèche parce que. Voilà quoi, ça descend assez vite. Hein. Mange une carotte. Parce que c'est bon les carottes. Celui qui dit que les carottes c'est pas bon, qui se désabonne. Non, je rigole. Hop, voilà. À côté de la lave, laisse tomber. Alors, par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'on n'a pas croisé de. Enfin, ce qui me fait peur, à moitié, on n'a pas croisé de Wither. Alors que la dernière fois, on avait croisé. Ah, j'en ai entendu. Hein. Quand on parle du loup. Ok, donc ici, il y a un trou, génial. Bah sinon, pas trop de choses à vous dire, hein, écoutez. L'actualité de la chaîne, ça se passe sans problème. Ouais. Alors là, je me sens pas très. Mais ça me fait des inconfiances. Oh, j'ai le choix aussi de tuer des pigmen, mais voilà quoi. Coco. Coucou. Et coucou. Il veut pas me faire du mal, hein. Ah, hey. Lui, je parie qu'il va nous looter. Loot-moi. Rally Nager. Si. Ok, il nous a pas loot, génial. Alors, on est d'accord qu'il m'a pas capté jusqu'à que qu'il soit sur la Netherrack. On est d'accord pour ça, on est d'accord. Ok, ouais, je me parle tout seul. Je me parle tout seul. Je me parle tout seul et alors? Et je parle très bien français et alors? Y a-t-il un problème avec ça? Toujours rien. Il y a un spawner ou comment ça se passe? Ouch. What? Il est pas là. Et je leur. Ah, ok. Tu te calmes? Merci. Tu te calmes, Danny? Voilà, c'est bien. Respecte un peu. C'est moi le roi de ce monde. Je suis Lita King. Poum poum poum. Ouais, pas contre les pigmen, hein, par contre. Que sur les blazes. Alors, on a 5 blaze rods. On va s'en prendre un peu pour des popos de force. Ah, parfait. Il y avait un spawner juste là. Qu'est-ce que je m'embête? Armez vos baïonnettes. Chargez. Et tirez. Et c'est fail. Et failé aussi, non? Ça se déroule plutôt tranquillement. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas si je vous montre quand je prends le quartz ou pas parce que. Parce que quand même là on est level 13, ça sera un peu long. Peut-être que je forme les pyramides, c'est marrant. Enfin marrant. Lol. Marrant pour vous de voir comment je vais me faire exploser rapidement. Non, ça, il peut pas tomber. Lol. Non, là-bas y'a un petit.
Ouais, c'est un peu la concentration à l'arc, je sais, désolé. Non mais attends, si je casse ça. Ah, mais voilà, je prends le level direct. Peut-être que je vais le regretter après, mais c'est pas grave. Hop. Cette esquive. Oh là là, mon dieu, l'esquive que j'ai foutu au blaze. Lol. Vous l'avez tous vu, vous l'avez tous vu. Ah bah quand même, si je tombais, j'étais un peu dans le caca. Ouais, avec les flèches, c'est bon, je me le fais. Ah, voilà. Y a un wither là-bas. Enfin, un wither squelette. Imaginez-vous si on croise un wither à tous les coins de rue, what the fuck. Juste petite anecdote comme ça sur ma vie, hein. Quand j'ai commencé à jouer à Minecraft, mes amis me disaient, ouais, tu peux trouver un monstre qui s'appelle El Diablo dans le Nether. La 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 la. What the fuck, j'ai looté une tête! Alors, je vous rappelle, enfin, je suis chanceux pour trouver un une forteresse, je suis chanceux pour trouver quoi encore? Pour trouver des spawners à zombies, des spawners à squelettes, mais j'ai jamais été chanceux pour les têtes. Et là que je suis en vidéo, j'arrive à trouver des têtes. Tout ça c'est grâce à vous, merci les gens, merci. Bon, je suis un peu suicidaire, certes. Merci, merci. Oh, génial. Bon, celle-là, on va la stocker. On va pas la perdre. Parce que... Pour avoir le beacon, après... Mais je me ferai un beacon dans le Nether, un beacon dans l'Overworld. Bon, j'ai tellement galéré avec le Nether, parce que... Faut mettre un Dark Oak, peut-être un peu de terre. Bref, bon. On a des tarcocs à foison à côté, c'est pas ça le problème, c'est de monter puis redescendre. Ça va être la galère. Ça va être la grosse galère, sérieux. Mais bon. On le fera, on le fera, on le fera. Sans jamais cheater. Parce que le cheat, c'est bien. Aïe. Elle me fout le feu tout seul. Merci de t'arrêter le feu, merci de t'arrêter le feu, merci de t'arrêter, merci. Ouais, je suis mort avec plein de situations comme ça. Je commence à m'enflammer, j'étais on fire. Non, je commence à m'enflammer, tu sais, le feu il veut pas s'arrêter pendant 2 heures. Génial, j'étais bien après. Hop. On récupère un peu le quartz parce que ça fait joli aussi, un peu de quartz comme ça. Alors, on a 7 blaze rods. Une wither squelette, enfin une tête de wither squelette. Ça c'est bien, ça je suis super content. On entend un ghast. Et je n'ai plus de flèches. Génial. Bon, dès qu'on fait Return to Sender. Yeah. Je veux juste faire un truc. Achievement. Ouais, ok. Non, je vais tous les débloquer, vous inquiétez pas. Hein. C'est pas grave, dès qu'on refera une autre série Tamonde. Juste pour les achievements. Non, tenez. Allez, venez, petit point d'expérience. On va se mettre là-bas, du coup. C'est bien parce que, quand même, ils sont attirés d'assez loin, les points d'expérience. Ça c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Hop. Faut pas tomber là, hein. Là, faut pas faire le fou, hein. Ouais, là, c'est bon, c'est safe. Voilà, parce que j'ai vu cette grande paroi, je me suis dit, paroi. Cette grande paroi, je me suis dit, allez, c'est bon. Je cherche pas, on prend tout. Voilà. Bon, déjà level 21, bon, ça va vite au final, ça va vite. Je pensais que ça m'aurait pris un peu plus de temps, mais non, ça va, ça va, ça va. J'espère que la série vous plaît toujours autant quand même, parce que mine de rien, on avance bien. On aurait pu faire le dragon depuis longtemps, mais bon. Si vous voulez, je suis un peu flemmard, et du coup, j'avais pas envie de... D'aller fermer des enderperles. On va faire ça. Voilà. Alors là, on se promène un peu dans les heures quand même. J'espère que. Que je vais pas trop me perdre tout de même. Parce que ça me saoule un peu. Mais bon. On fait ça pour les levels aussi. Alors.
Ok, j'ai réussi à sauter sur le bloc alors que j'ai lagué. Tout va bien. Level 23 déjà. Et plus que 7 levels, c'est bon, bon. Je vous rappelle, on est rentré dans le Nether, on était level 9, donc c'est bon. Hein. On va le faire. Dégage. Je fais un peu le Kiko, le fou. Pardon, pas le Kiko. Le fou à aggro les pigmen. Ah, j'entends un magma. J'entends un magma cube. Pas paumer la forteresse, surtout pas paumer la forteresse parce que sinon je sais même pas comment je vais revenir à la base. Je chercherai, au pire des cas je me kill, je reprends les coordonnées puis après je reviens, mais bon. Oula. C'est pas la meilleure solution. Alors j'entends de la lave. Je suis pas très rassuré là. On va dire. Il y a la lave juste à côté. Ah, level 25. Ah, même pas. Level 24. Bonjour. Bonjour, bonjour, tout va bien. Bah au moins on peut rester longtemps dans le Nether, ça c'est pas un problème parce qu'on a la masse de bouffe. J'ai réussi à looter une carotte sur un zombie en formant les Undermen. Et si vous voulez, du coup j'ai fait de l'agriculture en masse. Avec juste un plan, j'ai réussi à me faire deux stacks de carottes, c'était pas mal. J'ai bien aimé le concept. Si ça pour il y a des machines comme ça pour faire de la bouffe en masse, on en créera une, ça c'est pas un problème. Si vous voulez, c'est je crois que ça se fait avec des droppers, vous mettez un peu de bonne mille, un peu de redstone, un piston et puis c'est parti hein. Voilà quoi. C'est long quand même là, ça devient un peu lent, c'est la lenteur de l'extrême. Bon, deuxième gros enchant qu'on va faire normalement, c'est si on a autant de chance que la pioche, voilà quoi. Hein. Ça risque un peu de me saouler, personnellement, finalement. Plus de deux stacks de quartz quand même. Ça, il m'a fait flipper le con. Come on, come on, come on. Alors problème? T'as un problème? Ça? Un peu peur. Hein. Ok, fail. J'ai même pas de flèche. Non, même la flèche. Voilà, c'est pour ça qu'il me faut l'infinity parce que je me sers énormément de l'arc. Enfin, j'aime bien. Et peut-être qu'on peut se le faire. Quoi? Mais c'était pas. C'était pas des larmes de ghast? Oh non, je suis déçu. Oh la déception. Voilà, totale déception là. Je croyais que c'était des larmes de ghast qui m'avaient looté deux larmes de ghast. J'étais oh! Alléluia! Mais non. C'est la déception énorme. Hop. Hop. J'éloigne pas mal de la forteresse, je sais même pas si je vais la retrouver. Bon, bah, d'accord, je regarderai vers le record. Dans le record, vers où je suis allé, merci. Je perds mes mots. Faut m'intimider, les gens, voilà. Voilà, je vous dis la vérité. Non, mais ça fait. Enfin, j'avais des épisodes en stock, du coup, ça fait assez. Ça fait 2 semaines pour que j'ai pas commenté. Ça fait bizarre. Non, pas 2 semaines quand même. J'exagère un peu. En tant que bon italien, j'exagère pas. Bref. Toujours rien. Enfin, toujours rien. Bien grand mot. Toujours pas les level 30, on va dire. Allez, 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 allez. Juste pour le dernier level, on va se faire plaisir avec lui. Non. Je rigole, je rigole, je rigole. On va pas les embêter, ils sont très gentils. Tant qu'ils nous aggro pas, ça va. Et level 29. Allez, please. Ici, allez.
On est plus de la moitié là. On avance vite. Allez. Encore, hein? Et il nous en faut encore. Allez, fais mon bonheur en passant les level 30. Oui, enfin. Bon, creuse encore un peu. Voilà. Level 30, c'est bon. Juste génial. Allez, on rentre à la base. On a. Ce que je ferai, je vous ferai une ellipse après l'enchantement. Comme ça, on se retrouve direct au portail de l'Ender. Et on va se laisser là parce que je vois normalement. Là, je suis à 20 minutes de vidéo. Je suis à 20 minutes de vidéo comme ça. Mais après, vous aurez un peu plus, je pense, de 3 minutes avec le condensé que je vais vous faire. Si je me file pas, parce que ce sera la première fois que je vais faire ça. Ouais, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Ouais, on vient dans. Ouais, c'est là, c'est ça, on vient de là. Non, ça va. Il se serait pas cassé. Bon, j'ai entendu un ghast, bon. Ouais, j'entends un ghast. Mais tire pas dessus, j'ai rien fait. Alors, là-bas, un archer squelette. Là-bas, un wither squelette. Enfin, là-bas. Tire-lipimpo. Aïe! Oh non, 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 ça serait con que je meure là. Oh putain. Ok, c'est bon. On va régen tranquille. Oh mon dieu. Alors, cette forteresse, ce qui paraît, on l'a déjà visitée, on dirait. Ah, ici j'ai cassé le spawner, c'est bon. Hop, voilà. Ici j'avais cassé le spawner et j'étais venu de là. Voilà, bien. Bien, bien, on se débrouille, on se débrouille. Du coup, maintenant, la difficulté, c'est de trouver le portail. La difficulté, maintenant, c'est de... Ah, il est là-bas. Parfait, ben voilà, voilà, voilà. Je pensais que ça m'aurait pris un peu plus de temps, mais non. Après tout, on gère, on gère. Oh, ben, elles sont dans une surf qui est assez fort, là, qui s'est emballé. Voilà. Comme ça, ça gêne pas. Alors, donc voilà, ici il y avait mon petit trou. On descend tranquillement. Ah, là quand même, j'ai eu peur de mourir entre le squelette, le wither. Bref, c'était assez compliqué. Ah oui, bah j'entends toujours le ghast du coup. Le ghast caché. Alors, pitié que ça me fasse atterrir dans la base, je vous en supplie. J'ai pas envie de me retaper tout le chemin. Et merde. Ça me fait pas respawner à la base. Ah! Bah oui, toujours plus de portails au même endroit, hein, sinon c'est pas drôle. Sérieux. Bon, bah. Au final, l'ellipse, je vais la faire maintenant. On va rentrer à la base, après on va y aller tranquillement en bateau. Je récupère un peu d'opsy. On va tranquillement aller au bateau. En bateau. Ah, comment ça s'appelle? J'ai oublié. L'Under Portal. Portal, voilà. Ce que je vais faire, je vais en récolter 8. Comme ça, je me ferai un coffre de l'Under que je mets ici. Tac, je me tue comme ça. Et voilà. Ça va pas m'embêter plus longtemps. Ah, je sais, je cherche la solution de facilité. Mais bon, mais bon. Ok, 9, ça ira. Du coup. Les gens, je vous fais une ellipse ici, donc je vous retrouve tout de suite. Allez, ellipse. Oui, qui veut des carottes, hein. Oui, qu'est-ce que c'est la petite question, ça, qui veut des carottes. Et re tout le monde, c'est Italo. Donc, je tirerai un peu les cochons avec une carotte. Oh, j'avais les nuages. J'avais pas eu ça. Voilà. Alors, maintenant, alors j'ai réussi à rentrer, c'est bon. On a retrouvé l'entrée de la base. Encore compliqué ça, mais au moment où je me fasse une grande entrée, ici, regarde. Je vais me faire une grosse flèche qui va m'indiquer l'entrée de la base, tout simplement. Alors, je sais, ça dénature un peu le paysage, mais bon, étant donné qu'on va pas rester ici. Ici,
Ici, il y a une grotte. C'est pas par là. Enfin, par là, c'est le portail de l'End. C'est là-bas. Oh, j'ai pris cher. Alors, mon pantalon ne veut toujours pas céder. Why not, hein? Je dis pas non. Je dis pas non, je dis pas non. Coucou. Quand même, les cochons doivent mourir de faim parce que eux, ils mangent pas, ils broutent pas de l'herbe, voilà quoi. Bref, parlons cochons, parlons bien. Ah, ça va. Ouais, ça. C'est intérêt à être là. Donc là, c'est l'explosion de creeper, forcément. Et c'est toujours pas. Ouais, c'est bon, c'est là. Fou. J'avais pas reconnu, c'est bizarre. Voilà. Voilà, tranquillement, tout doucement. On y arrive. Avec un peu de patience, hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, mon front, mon front, mon front. Faut que je me fasse des rails ici, ça ira beaucoup plus vite. Aïe. Ok. Bien. Alors, du lapis. 1, 2, 3. On va se refaire un arc juste pour l'occasion. Il faut du bois. Du bois, du bois, du bois, du bois. Oui, du bois, merci. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Alors, si ça me met direct l'infinity, je dis oui. Je cherche même pas à savoir s'il y a un power derrière ou non. Je te dis oui. Mais évidemment, vous allez voir que ça va pas me le mettre. Allez, on retourne le Viking. Écoutez, les gens. Il est vraiment pas mal. Il faudra juste que j'ajoute un bouquin infinity dessus. Il est vraiment, 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 vraiment pas mal. Le seul truc qui m'ennuie, c'est évidemment les flèches qu'il faudra utiliser. Du coup. Si je seulement j'avais un élevage de poules. Des petites poupoules. Ce qu'on va faire, on va transformer tout ça en bloc. Je viens juste de recevoir un message. Merci. Alors, on va se faire un stack de blocs, écoutez. Hein. Même plus. Plus d'un stack de blocs, ça va être génial. Pouf. 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 Et pouf. Nice. Ok, voilà. Comme ça fait beaucoup moins de trucs à stocker. On va stocker ça du coup. Non, ça on va le garder. On va prendre les Ender Eyes, les Ender Pearl. Tac, on transforme ça. Tac, tac, tac. On est des fous. C'est la folie. Hop, 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 hop. Ça on l'aime bien en sécurité. Hop, ça pourra toujours nous servir. On prend. On prend. Et en plus, c'est Nazio qui m'a envoyé un message. On prend ça. On va se faire des sticks encore. Bon, écoutez, hein, ça. Vous voyez? Spout! Voilà, on a des sticks. On va se faire une petite pelle. Voilà. Pourquoi une pelle? Parce que tout simplement, on va prendre du silex. Et des plumes. Elles sont où les plumes? Elles sont là. On a des plumes. J'ai pas de gravier. Si, j'ai du gravier. J'ai pas de gravier. Si, j'ai du gravier. C'est ça qu'on aime. C'est ça qui est bon. Hop. Voilà. Donc, désolé, hein. C'est peut-être. Oh. Ouais. Ça, écoutez, les gens. Ça, je le ferai tout seul. Donc, maintenant, on va aller. On va aller. Vite fait à l'Under Portal. J'entends toujours zombie. On va aller à l'Under Portal. Oh, ça vous fera un long épisode quand même, je pense d'une demi-heure. Ouais, un peu plus d'une demi-heure. Bon, on avait des trucs à faire, voilà quoi. On se prépare pour le dragon. C'est pas rien. Sharpness 3, c'est ira. Mon stuff, on va faire avec. Merci de me renvoyer un message. Mon stuff, on va faire avec. Écoutez, je vais le mettre en silencieux, mon portable. Voilà. Les protect, je sais pas, enfin on se prendra pas trop de mobs sur la gueule, mis à part des Undermen. Pas des cas, je mettrai la citrouille dans la tête. Sur la tête, dans la tête. Sur la tête, ça vous gênera plus qu'autre chose, mais c'est pas grave. Donc, hop, on va commencer. Et merci. Alors, je vais juste aller voir les coordonnées du portail.
2 minutes. Non, screenshot, merci. Alors. Alors. C'était en moins 569, moins 149. Moins 569. En moins 569, moins 149. Du coup, faut aller par là-bas. Ah, et là, on est bien. Voilà, allez. Oh, on devrait bientôt, enfin, bientôt. On devrait voir le... J'allais dire Twilight Forest. La forêt de Dark Oak. Donc, moins 569. Wow. Et le bateau, ça fait... Ok, voilà, c'est bon. Maintenant, on est dans la bonne direction. Ouais, c'est bon. Oui, aussi, je voulais vous dire que j'ai commandé un boîtier d'acquisition. Du coup, si vous voyez deux vidéos test arriver, ça sera normal. Il faudra pas paniquer. Enfin, paniquer entre parenthèses. Ça sera juste pour voir si mon boîtier d'acquisition fonctionne bien. Mais bon, ça, vous aurez plus de détails plus tard. Je vais faire une vidéo sur PS3, une vidéo sur Wii U. Pour voir si ça fonctionne très bien. Donc, je pense que sur PS3, ça sera une partie de zombies sur Call of Duty. Et sur Wii U, ça sera. Une partie de Mario Kart ou une partie de Hyrule Warriors. Je verrai. Je verrai, je verrai. En fait, c'est un peu loin. Attends, je regarde si je me suis pas trompé de coordonnées. Hop, comme ça on avance en même temps. Je regarde si je me suis pas trompé de coordonnées. Moins 569, moins 149. Oula, j'allais fermer Minecraft, tout va bien. Moins 569, moins 149. Faut que je me dirige un peu plus vers là, comme ça, ok. Bon, au final. On n'est pas si loin que ça. On est à 500 blocs par là. Des poulpes. J'aime les poulpes. Oh, non, 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 merci. J'ai pas trop envie qu'il me casse le bateau maintenant. Ça serait un peu gênant. Un tout petit, petit peu. Voilà, on arrive sur la terre ferme normalement bientôt. Allez. Eh, me dis pas que c'est dans l'eau parce que là, sinon je te croirais pas. Hein. Voilà. Hop, on freine tranquillement. On enlève le F3. On fait tac. On fait tac. Merci. Oh, pour une fois qu'il lag pas le bateau. Et hop là, voilà. C'est bon. On se retrouve dans le désert. Ouais, c'est ça. Hop. Désolé, hein, je reste en vue F3 juste pour me diriger un peu mieux. Je sais que c'est pas très agréable à regarder, mais bon. Mais bon, mais bon. Moi, je tiens à faire un peu ce voyage avec vous. Comme ça, on est ensemble. C'est convivial. Je me sens pas tout seul. Même si je parle tout seul. Bref. Passons. Alors, donc normalement, si j'arrive à être en plein dedans. Je devrais tomber pile sur les escaliers. Parce que je vais creuser en ligne droite. Hein. Écoutez, je vais pas faire un escalier, j'ai la flemme. Oh mon dieu, cette flemme. Ça sera pile dedans. Pile dedans. Pile devant. Je poserai tous sauf un. J'ai pas pris les Thunder Ice. Oh mon dieu. Sinon, j'aurais rigolé, j'aurais pleuré, puis j'aurais fait une dépression. Voilà quoi. Ok, voilà, maintenant il fallait juste là. Ok. Mais. Je sais que c'est pas très conseillé, c'est les débutants qui font ça dans Minecraft. Enfin, je suis un débutant quand même. Enfin, c'est. Ceux qui savent pas trop jouer à Minecraft qui font ça, bref. Mais bon. Voilà! Allez, je vous avais dit, pile sur l'escalier. Génial. Alors, on va commencer à les poser. Ok, voilà. Donc, il nous en reste un. Hop, qu'on posera ici. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas dans ces cas-là à laisser. À laisser. Ah, là, c'est. À laisser. Ah, oula, lâcher un pouce vert, un pouce bleu, comme vous voulez.
et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Allez, salut tout le monde, c'était Italo.